Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, et bien pour vous donner une petite explication de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Un très très joli oracle. Alors cet oracle, c'est un outil hein, pour développer nos propres capacités. Et il y a plusieurs thèmes dans cet oracle. Il y a notre âme. Dans notre quotidien, n'est-ce pas? On peut être tellement sollicité que l'on n'est plus à l'écoute de soi. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous pouvons avoir l'impression de nous déconnecter de nous. Et nous pouvons faire ou vivre des choses qui n'ont plus de sens. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous n'écoutons plus notre âme. Et avec cet oracle, eh bien, nous allons avoir le soutien pour nous connecter avec nous-mêmes. Nous avons les guides aussi. Nous avons nos guides. Et nos guides sont là pour nous épauler et nous soutenir, et surtout pour nous protéger. En tous les cas, ils ne sont pas là pour être nos serviteurs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas là non plus pour nous apporter tout ce dont nous avons envie, car nous avons encore le libre arbitre. Et par moment, eh bien, nos envies peuvent être différentes de nos besoins. Nous pouvons aussi avoir l'impression de ne pas voir ou de ne pas comprendre leurs signes. Et avec cet oracle, eh bien, nous pourrons nous connecter avec nos guides. Avec cet oracle, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas? Et vous allez avoir une réponse. Alors, il y a aussi la troisième partie, sont les entités, hein, qu'on appelle, les entités, elles peuvent être directement, eh bien, attachées à nous, que ce soit en lien avec cette vie ici, que nous avons ici sur Terre, ou alors une vie précédente, elles peuvent être attachées aussi à un lieu, à un objet ou à une autre personne. Elle peut aussi être complètement étrangère. Et ces âmes ont parfois besoin de transmettre un message. Donc, ces entités ont besoin de nous transmettre un message. On peut aussi avoir une information. Avec cet oracle, nous pouvons demander et nous pouvons aussi transmettre. En tous les cas, avec cet oracle, nous avons le soutien pour nous connecter avec ces âmes. Eh bien voilà, petite explication, n'est-ce pas, de l'oracle de la voix des âmes. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis, nous entamons la dernière semaine de ce mois de mai. Nous sommes lundi 29 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un très très joli week-end. On va terminer ce mois avec l'oracle de la voix des âmes et on terminera cette capsule avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé retrouvailles. Alors ton âme te dit, nous nous sommes retrouvés.
très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvée. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise. Et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors, maintenant, eh bien, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait, parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tu sais, tout est là. Tout est beau et tout est grand. Tes guides, tu attends un signe fort et pourtant, nous l'avons déjà envoyé. Il y a de cela une année, il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses, eh bien, te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. En fait, c'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même. Et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif. Tu as appris de ce que tu as vécu. Ce n'est pas un échec total pour toi. Et cela t'apporte une très grande sagesse. L'entité, j'ai retrouvé des âmes chères à mon cœur. J'ai retrouvé ma source. J'ai retrouvé ma famille karmique. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnel. Je suis dans la lumière et je ne suis qu'amour. Nous sommes là pour toi. Nous formons une équipe pour t'aider et pour te guider. Et nous sommes là pour créer un égrégore positif autour de toi. Tu as de très grandes choses à vivre et à accomplir. Tu as un très grand bonheur
à créer. Et tu es capable de le faire. Tu sais, la vie terrestre est un cadeau dont l'instant présent est la clé du bonheur et du bien-être. Alors, connecte-toi à l'instant présent. Vis pour toi. Vibre avec ta beauté. Tu sais, nous sommes là. Nous sommes là pour te protéger. Tout va bien. Très beau message, n'est-ce pas? On termine avec la guérison des 5 blessures et j'ai pigé une carte injustice. Aujourd'hui, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc., je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Que dire de plus, n'est-ce pas? Ce sont des très beaux messages. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, moi je vous embrasse tout fort. À demain.